Poitiers, en fait, est une vraie surprise pour ceux qui la visitent. C'est une ville ancienne et puis qui se remodernise aujourd'hui. Il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de parcs, de zones vertes. On peut se promener au bord du Clain. Il y a une douceur de vivre. C'est une expression un petit peu éculée qu'on entend souvent, mais que je trouve va bien la ville. Donc là, on se retrouve dans une ancienne chapelle. C'était une chapelle qui était fermée au culte. On a transformé tout ce lieu en ouvrant tout d'abord des grandes baies vitrées sur la rue. Un hôtel et un restaurant. Donc le restaurant occupe une grande partie du rez-de-chaussée. Poitiers est une ville historique, ça c'est sûr. Il y a des monuments qui en témoignent un petit peu partout. Et l'intégralité du centre-ville a été restaurée récemment. Il y a une vraie mutation de Poitiers et les Poitevins se sont réappropriés cette ville. Après, c'est une ville d'histoire, Poitiers. Donc, il y a des époques différentes et tous les Poitevins savent bien que chaque coup de pelle qui est donné dans le sol de Poitiers dévoile un secret. Donc. Vous êtes à la fromagerie qui porte mon nom, au cœur de Poitiers, juste à côté de l'église Notre-Dame. Le tourteau fromager, c'est une spécialité fromagère des Deux-Sèvres, du Poitou. C'est un soufflé qu'on va volontairement brûler, mais à l'intérieur, ça sera frais, moelleux. Et ici, c'est mangé au café, au petit déjeuner. J'aime bien l'histoire qui lie Poitiers à la Belgique. Nous retrouvons une des 6 copies autorisées du Manneken Pis, qui est un hommage rendu aux policiers français dans le cadre de l'accueil que nous avons fait des réfugiés policiers belges en 1940. Et tous les ans, le Manneken Pis revêt ses plus beaux oripeaux. Il met une petite cape rouge et une petite faluche qui ont été faites exprès pour lui. On est un des plus vieils ordres étudiants de France qui existe encore. Généralement, les personnes qui ont vécu dans la région ou sur Poitiers connaissent les bitards. Ça les fait marrer, on a le droit à un petit coup de klaxon, un petit « Oh, salut les bitards !» Ben ici, on est dans une vieille fabrique de parapluies familiale qui existe depuis 4 générations, depuis 1882. Aujourd'hui, on vient vraiment vers les artisans et vers le produit fait main et le produit qui est solide surtout. Donc c'est un savoir-faire qui est très rare, donc pour moi, c'est un honneur de pouvoir continuer. Et moi, ça fait 11 ans que je travaille ici, et donc pour moi, c'est une chance, puis c'est aussi un honneur. Ici sur Poitiers, on a la chance d'avoir plein de coins où on peut se promener, plein de petits coins sauvages, de nature, des bois, des forêts. Donc ici, on se trouve au Confort Moderne, donc c'est vraiment un lieu qui est énorme, qui fait 8 500 m² et qui propose vraiment beaucoup de choses différentes entre des expositions, des concerts, plein de propositions artistiques qui sont assez fascinantes. Ça fait 5 générations que la maison Ranouvier existe. Elle est centrée autour de cette spécialité du macaron de Montmorillon, cuit sur feuille. Donc c'est des petits biscuits à base d'amandes. Ça fait 20 ans que je suis ici, que j'ai créé cet endroit. Moi, j'ai des gens qui viennent depuis 15 ans ici manger. Tout le monde vient, des jeunes, des vieux, des gens aisés, des gens beaucoup moins aisés. Tout le monde est traité à la même enseigne. Des bars, des bistrots, des restaurants un peu plus typiques, un peu plus particuliers, où il fait passer de bons moments festifs.